Bonsoir la famille, bienvenue sous TAC 509, tout haïtien connecté. C'est toujours même plaisir pour moi rejoindre nous dans le ça depuis lundi pour arriver vendredi dans l'émission Parlant mon éditorial. Déjà, m'a encouragé à rester focus sur l'intervention qui pral fait là parce que nous pral parler pays, nous pral parler politique et nous pral parler de intérêt qui gagne pour nous changer système là en un mot tabou la rasa. Problème pays pas petit et ceci à tous les niveaux de l'État, que l'un pouvoir exécutif, là, que l'un pouvoir législatif, là, que l'un pouvoir judiciaire, là, tout niveau l'État, ça a aucun problème. Nous identifions failles, nous identifions acteurs et nécessité qui gagne pour tablir, je ne dis une nouvelle structure qui pourrait aller à la fois idéologique, parce que en tant que citoyen, nous devons parler pour nous passer pays. Pour nous prendre bonne décision et tout faut nouvelle structure ça li gen une base politico juridique qui solide là déjà nous gen en pile parole sérieux nous pral parler en pile considération qui pral fait dans l'idée pour faut comprendre qui ça changement système toute population a exigé à toute classe politique classe sociale tout secteur dans la vie politique là a exigé. Déjà merci pour attention, des micro présentation, c'est toujours même Yannick là, même voix qui pral font travail fantastique avec auditoria. Si n'a rappelé depuis après événement pays log 2018, que l'té classe politique là, que l'té société civile là, que l'ité masse défavorisé, tout le monde est censé gon seul discours t'a réclamé changement système là. Changement système là par rapport à revendication pour te voyer Jovenel Moïse aller pour exiger plus bon condition moun ka vivre, pour te mande travail, pour te mande sécurité et la trier. Donc si tout secteur nan vie nationale nan tap mande un seul bagay, alors là vin gen nécessité pour nous connaître non seulement qui système y a parlé mais tout est-ce que le possible pour système ça mande changer pour changement système nan pour li appliquer. Premier ça pour nous connaître changer un système c'est changer à la base toute une société. Perception, façon de penser, façon d'agir, river font culture du civisme pour ensemble de citoyens, pour ensemble de population, ça li important. Apprendre nous kon kòt dwa commencer, kòt dwa finir, apprendre nos obligations. Tout ça fait partie de ça nous carré changer système là. Qui lors sont bon citoyen, comment quand un bon citoyen. Au lieu nous gon l'état qui basé sur faire propagande à travers des shows médiatiques, ça qui t'a plus important aujourd'hui, c'est mettre camper des émissions de civisme et morale à travers tout et médias, que c'est radio, que c'est télévision, utiliser internet là pour former population parce que là nous gon peuple qui baba à un point tel que yo pa konn la vérité, yo pa konn le mensonge, yo pa konn le vrai, yo pa konn le faux. Donc c'est youn nan pi gros problème pays gen là. Aspect ça déjà il gen plus rapport à relation interhumaine, ça veut dire relation moun ak moun. Kon doit respecter obligation, m'a respecter obligation pam et de même relation moun gen ak valeur établi yo. Que c'est constitution, que c'est la loi, que c'est un règlement établi, faut ou respecter ou soumettre en bas. Pas gen moun ki en lè la loi, tout moun en bas la loi. Faut ou ka respecter principe établi yo, faut ou ka soumettre en bas structure organisationnelle yo en façon pour nous faire promotion ça nous carré en état de droit, pour nous respecter même fondement, pour nous respecter fondement même qui constitue état de droit. Donc li important, non point de vue idéologique pour respecter tête en tant qu'haïtien, pour privilégier respect une autre, pour privilégier respect valeur institutionnelle nous et puis avancer, ce qui est très difficile pour nous autres haïtiens parce que déjà ça crive haïtien pense qu'il gagne tout droit. Oui, ou gagne droit, ou gagne droit, des droits légalement protégés, c'est pas des droits inventés, des droits imaginés, ou gagne des droits légalement protégés. Mais en aucune façon qu'on n'y a pas prétendre nous gagne droit son l'autre monde par rapport à statut social ou bien par rapport à classe économique ou non. Parce que ça crive premier changement système là, il doit passer par là. Nous commencer changer mentalité nan tant qu'haïtien, nan changer mauvaise perception nou de la réalité. Nous pas tout tis, nous pas raconte tout bagay, ou pas ka konti yon moun pour conviction la aspiration politique li. Ou pas ka konti moun nan parce que le gen sens du devoir, li gen moralité, son moun vertueux. C'est ça qui mérite pour nous mettre en avant dans changement système là et puis vient le reste. Changement système là doit entraîner respect valeur intrinsèque, respect dignité humaine, respect une l'autre.
c'est ça yo qui doit priorité. Pas qu'à gagner ça nous rele l'état dans toute sa globalité si toutes conditions n'ont pas réuni. Pour gagner l'état, faut gagner un territoire, nous gagner. Faut gagner un peuple, nous gagner. Et faut pouvoir politique, là, ça nous rele souveraineté, à faut les respecter. Et c'est là tout intérêt, je dis à pour nous questionner aboutissement, changement système, non. Pouvoir politique, là, c'est l'élément qui plus important nous cadre dans changement système nan n'a mandé a. C'est là qui gien colléré en acteur politique yo, c'est là qui gien intervention secteur privé a et c'est à partir de là tout pour nous poser base concret pour changement arriver à terre. Donc, si changement pas ka fait depuis à la base avec efficacité, comment changement ça pral vraiment instaurer et comment population pral faire une satisfaction? Changer système nan mandé pour gon l'autre organisation socio-économique inclusive. Kote toute catégorie moun ap nan place yo. Là, déjà nou gon pays ki chita sou près de 85% population nan chômage et pour reste 15% c'est tout comme yo té dans chômage déguisé. Si travail ou là dans la pa ka garanti protection sociale, li pa ka garanti assistance sociale ou pa même besoin parler de retraite, là pas vraiment gon équilibre économique. C'est vrai que système intégration li important dans développement économique en pays. Pas gen économie sans bourgeoisie, mais c'est pas modèle bourgeois de chez Pierre ça au moins là. Imaginez nous 50% revenu global là, mais 5% moun nan élite économique là. Bon mes amis, dis-moi ça nous voulons comment nous voulons pour gon économie stable, pour nous gen pays en propulsion économique, pour nous gen pays en voie de développement, alors que l'État li pa gen contrôle marché économique là, li pa gen contrôle marché à même. Là l'état ça c'est pas travail, l'état pas fait travail li. Et notre stade nous rive là, inégalité économique là tellement palpable, nous wel nous sentil et je dis à comme conséquence économie pays à terre plate parce que l'état perd du monopole. L'état pas gain monopole rien. Mis à part violence légitime non, l'état pas gain monopole rien. Je dis à l'Haïti face à un système économique défaillant, nous gros capitaliste qui a fini avec nous. À un point tel, même la vie moun pas important, tout est question de prix. Money talk. C'est ça lié qu'on y a en Haïti, money talk. Ou rive l'hôpital, ou pa gen l'argent, ou pa jwenn servis, ou ap mouri. C'est de même pour des institutions scolaires. Parents ont retard sur un frais mensuel. Ou ap fè res mwa de, ou pa suivre kou. Yo pa primé éducation, yo pa primé santé, yo pa primé la vie. Son question de l'argent, tout moun vin, yo vin considérer ou même en tant qu'individu comme un marchandise. C'est ça système économique là fait. Chaque monde son produit, son marchandise a varié ou pas, ou gon prix sou. Et la disparité économique là tellement grand. Imaginez-nous un employé qui travaille pour un patron, même au minimum plaisir pas qu'à faire tête li. Alors que force de travail là c'est dans l'ilié, y a manger courage maléré, y a exploiter moun yo dans factory et tout ça en bas chez l'état. Oui, système là doit changer. Mais nous devons respecter les mécanismes institutionnels, organisationnels. Tant que par exemple, respecter la loi, respecter les principes démocratiques, respecter sa qu'on état de droit. Et dans tout cas de figure, ça, yo, depuis nous parlé de changer le système, nan, nous devons refonder l'État, changer l'État. Parce que ce n'est pas seulement acteur politique qui concerné, mais depuis la création de l'État de droit, même c'est là handicap plan. Nous avons dit depuis après 86, c'est un premier changement. OK, il s'agissait du régime politique, nous sommes dans dictature, nous tombons dans la démocratie. Une démocratie qui jusqu'à aujourd'hui était inachevée parce que nous pas connait c'est quoi vraiment la notion de démocratie. Nous t'es juste besoin chaper pour nous en bas dictature et ça passe. Aujourd'hui, plus gros c'est quelle dictature 86 a quitté, c'est une élite économique corrompue qui face à qui on l'état accommodant toute situation bon pour lui, toute situation il prend j'corps. En plus fois mon a exigé tabula rasa. Et yo pa konnen que le pa concerné seulement trois pouvoirs l'état. Tabula rasa c'est 1, yon prise de conscience collective, 2, exiger tout moun yon intérêt unique qui c'est Haïti et puis 3, agir. Là pa gen jouet et c'est ça qui fait jusqu'à date tabula rasa été comme une idéologie parce que moun yon kon deux principes, yo pa kon premier principe là qui c'est conscience collective, qui c'est travail sur soi-même là, qui c'est introspection. Donc aussitôt que haïtien prend conscience que changement système nan doit passer par eux même avant tout, là li pral possible. Maintenant il y a l'aspect politique, il y a l'aspect du pouvoir politique à prendre en compte. Changer système nan par rapport à pouvoir politique là, est-ce que ça implique un changement de régime politique?
Est-ce que ça mande tout pour nous quitter la démocratie envers le populisme ou bien pour nous un régime autoritaire? Gen yon pile kèsyon pou nou repon avan menm ke nou ta envizaje pou nou mande yon chanjman de sistem. Personelman pou mwen pa gen pi bon bagay ke demokrasi. Men, se lèl nan entere gren majorite an. Se pa le sektèr privé an mette lan avan pou mande l'Etat poteje entere personel, entere mesken yon, non? Ni tout se pa le autorite l'Etat ou mette lan avan pou fè represyon, ni restren doa ak liberté moun, non? Ni tout se pa le ou menm an tanke citoyen ou chwazi aji propulsion san panse ak konsekans yo. Demokrasi an pa kon sa. Demokrasi an se ekilib. Pa ka gen demokrasi si l'Etat pi favorab pou defan entere an ti groupe. On ti groupe moun, pa ka gen demokrasi tout si grande population pa respecte droit minorité. Fok droit ak liberté tout moun garanti nan menm niveau. Se sak demokrasi an. Est-ce que kounye a problème système nan se nan régime politique lan liye? Déjà nou dwe mette d'accord sou yon point. Constitution 87 lan se youn nan sous problème peyi an. Youn nan pi gwo sous instabilité à cause de manque de clarté texte. À cause de problèmes d'interprétation, chaque monde dit à faire pas yo, il suffit que l'intérêt intérêt yo. Il y a des sujets qui tellement importants, qui tellement sensibles, qui pas ta doué nan ba accès à interprétation. Et de même, sou gen texte yo là et pour pas respecter application ou pas faire mise en œuvre ou mettre camp institution, c'est la vie messie à terre. Pas date constitution 87 là parler de cour constitutionnel côté 34 ans sans lit. Pa gen aucun moyen là pour contester constitutionnalité en décision. C'est tout comme ou gon ensemble de pouvoir qui concentré en seul côté dans exécutif là. Jodi a Haïti sous étape régime parlementaire là qui très prochainement si amendement constitution est en fait nouvelle constitution en vigueur, nous pour aller vers un régime présidentiel. Ak yon pouvoir législatif réduit qui n'est pas une mauvaise chose et également un pouvoir judiciaire qui affaibli. Est-ce que c'est renforcer pouvoir exécutif là qui pral porter un changement? J'en doute. Est-ce que c'est un gouvernement de transition qui pral porter un changement? C'est non. Li plus que nécessaire jodi an pour nous commencer décanter, pour nous commencer séparer idée changement système nan ak sa nou ka rele rupture. Depuis gen mouvement de revendication toujours gen yon rupture d'elle. Côté opposition gen transition la vin mete, OK, sou yon dure, et puis la fè ça et puis l'aller en aucun cas li pa jam possible pour gon rupture de système parce que la rupture se fait dans le temps et pour un temps et en plus tout ça casse ka recoller c'est pour ça li indispensable pour gon changement de système dans le temps et l'espace changement système nan il doit passer tout d'abord dans l'esprit dans comportement nan attitude nou pendant gros réforme a fait nan texte normatif yo pour mettre pi bon cadre structure organisationnelle dans pays an. Nous besoin transparence, nous besoin crédibilité dans gestion publique yo. Doit capable gon l'état inclusif qui croit nan compétence, qui privilégie égalité des chances. Nous pas besoin l'état ak autorité sous soufflant tout bay sa yo passé nan nouveau système nan changement système nan nous doit gon l'état qui fort. Plus élite la classe moyenne a exclu ou bien marginalisé classe populaire là. Classe moun ki pi faible, c'est plus force insécurité à appauvri. Travail de conscientisation concerne nous toutes. C'est doit base nouveau système là pendant l'état doit travailler pour mettre campé des institutions qui fortes sans parti pris, basées sur la justice sociale, sur l'équité, sur la redistribution de richesse. Et laisse à tout moun a prendre yo. Pas bien pi fort, pas bien pi faible, nous tout a vraiment égal. Jodi a nous face à un défi, celui de refonder l'État, mais face à différents facteurs externes qui gagnent, n'a mandé est-ce que la possible vraiment pour nous gagner l'autre Haïti. Haïti d'hier, Haïti d'aujourd'hui, celle de demain, c'est haïtien qui a commencé, c'est haïtien qui a fait et c'est haïtien qui pour fin faire. En tant que tel, nous gagnons engagement pam pour faire travail ça. Et ou même qui engagement. Incapacité présente système politique nous gen là, li justifié pour plusieurs raisons. Premièrement, pas gen aucun avancement qui fait dans pays, que le politique, que l'économique, que le social. Ça nous carré le autodétermination peuple. Li pas respecté, pas gon réelle souveraineté parce que dans toute décision, c'est le blanc qui décide. Nous gon communauté internationale qui est extrêmement présent. Là, tout pouvoir l'état, que ce système politique, que ce système économique, que ce système judiciaire
tout concentré ba yon ti group moun ki gon avantage, ba yon ti group oligok, et se visage système haïtien ki mande chanje a. Nan pon ekzanp simp, nou pase de desenya pe entreprise so genyo, paket l'ajan pou bay kouran, alors ke gen korupsyon nan kontra yo, gen surfakturasyon, gen pot vin kap bay akman pou gouvernement yo, pa gen oken vre sanksyon ki bay. Nou prefere di se persekusyon politik ou liye ke l'Etat anji. Nou gon gouvernement ki te promet kouran 24 sou 24. E seryezman, jiska dat, mwen mèm poko jan mwen elektrifikasyon jeneral nan tout peyi an. Mpa di ke bagen kouran, mèm di mpoko wè elektrifikasyon jeneral lan, aloske mandan Jovenel rive a term. Eske nou kompren? La, kelke pa, gon reyel mank de konfians, populasyon nan travay gouvernemental yo, nan aksyon gouvernemental yo. Chak joun apman de chanjman sistem nan do opunisyon ak plizye desen ni korupsyon, ni pa bo kote politisyen yo, ni nan sektor privé yo, se kombat tout form injustis, tout form inkompetans, e la gen nesesite pou goun revolusyon. Se pa goun revolusyon, me se pa fe kou d'Etat, se yon chanjman radikal ki dwe gen. Nou bezwen de chanjman institisyonel, nou bezwen reyel desentralizasyon kote municipalite yo ka oto administre tèt yo. Chanjman ki mene ver vre demokrasi an, li komanse nan wè mette an kesyon lwa injustyo, lwa kap defavorize mas populer lan. Se pa nan violans, se pa nan instabilite sistem nan pral chanje, dare, depi gen stabilite ak toujou gen represyon. E rejim politik la pa plot ki yon rejim otorite an. E dare nou el deja nan tout istwa peyi an, nou el se diktatur, otoritarizm, e yo pa jam vreman chanje an. Donk la, se yo aksyon kolektiv pozitif ki pou pote chanjman sistem nan. Se ansam nou ka pote chanjman sistem nan, se pa nan kaze brize, sa yo pa jam chanjman merd nan sa ka pase an dan peyi an la. Fok nou kler sou sa. Mab di nou an gran mersi pou atensyon nan ke kout nou, sa me tien reyelman an kèr e se toujou yon gran plezir pou m partaje konesans mwen a gran publik la. Chanjman an pap kampe la, gen plus pou mèm pou rakonte m nan sota remen wè pou nouvel Ayiti. E de se fè, nap gen pou nou repran suje sa tre prochenman. Randevo a kase pou demen nan mèm le a sou Chanel Paolan, TAC 509. Mersi, a tre bientôt.